Nous sommes à Darmstadt en Allemagne et aujourd'hui il pleut. Bienvenue à l'ESOC. Enfin, en tout cas, on est devant l'ESOC, hein. On n'est pas dedans encore. Alors, l'ESOC, c'est quoi? L'ESOC, c'est le European Space Operation Center, c'est-à-dire le centre d'opération de l'ESA. C'est-à-dire que, en gros, si vous voyez un peu le centre de contrôle de Houston, eh ben, c'est un peu la même chose en version européenne. Alors l'ESOC a vraiment commencé à être opérationnel à partir de 1967 environ. Il y a eu quand même 70 missions qui ont été lancées par l'ESA et qui ont été surveillées par l'ESOC, et plus de 100 missions qui ont été surveillées par l'ESOC, toute agence confondue, que ce soit NASA ou autre. Alors là, on est quelques heures avant l'événement Sentinel Event. Il pleut, donc je vais couper là, mais je vous reprends après, dans d'autres circonstances, peut-être ailleurs. Allez, à tout à l'heure. À l'ESOC, on est aussi en charge du réseau ESTRAC, ou ESTRAC. C'est un réseau de stations au sol qui permettent de recevoir les signaux des satellites et de les relayer. Et tout est centralisé ici, à Darmstadt. Le réseau ESTRAC, bien que européen, ne reçoit pas des signaux que des satellites et des sondes européennes. Il est aussi un outil de collaboration avec les autres agences mondiales. Alors pourquoi on est là aujourd'hui? On a été invité par l'agence spatiale européenne pour un social event. C'est-à-dire que derrière moi, il y a à peu près une centaine de social media, c'est-à-dire des gens qui communiquent sur l'espace via Twitter, via Facebook ou via YouTube, comme c'est le cas actuellement. Et nous allons assister ce soir, ou plutôt cette nuit, au lancement de la fusée Vega qui emportera le satellite Sentinel 2B à destination des étoiles. Le lancement aura lieu à 22h49 heure de Kourou, soit 2h49 ici à Darmstadt. Donc une longue nuit nous attend, sachant qu'il est uniquement 15h pour le moment ici à Darmstadt. La fusée Vega partira donc de Guyane et emmènera le satellite à 786 km d'altitude sur une inclinaison de 98,5 degrés. Alors ce satellite, il sert à quoi? C'est un satellite d'observation de la Terre, donc il étudie la pousse des plantes, les activités humaines, agricoles notamment, et aussi la composition des eaux de notre planète. À bord, il y a deux principaux instruments. Il y a l'imageur multispectral, ne me demandez pas d'expliquer ça. Et il y a également un détecteur visible et infrarouge. Donc il y a un détecteur pour le visible qui est un détecteur CMOS, comme on peut trouver dans les appareils photo, dans les réflexes que vous avez chez vous. Et il y a aussi un détecteur infrarouge que vous trouvez moins dans le commerce. Pour mettre au point ce satellite, il a fallu faire appel à une soixantaine d'entreprises, l'idée majoritairement par Airbus Defence and Space, mais également ils ont fait appel à des agences spatiales comme le CNES, qui s'occupe de la qualité d'image, et le DLR, l'agence spatiale allemande, qui s'occupe de tout ce qui est com et données. Alors hier a eu lieu un pre-launch briefing où on s'occupe de savoir si tout est bon, et pour le moment tout est bon pour le lancement, donc on espère que les prochaines vérifications seront bonnes aussi pour un lancement cette nuit. Alors, il y a tout un programme aujourd'hui à l'ESOC, donc là on commence par être cantonné dans la conference room, la salle de conférence de l'ESOC, où tous les social media sont en train d'arriver et de se positionner. Il y aura ensuite forcément des conférences, une visite du centre entier de l'ESOC, parce que ça a l'air vraiment gigantesque, et j'espère vous montrer ça dans ce qui va suivre. Thank you very much for traveling from sometimes very far and be with us today. For us, it's a special day. I mean, you probably find us extremely excited about a launch. We've done it for many, many years, but nevertheless, it's super exciting. There will be a launch tonight of the satellite Sentinel 2B. And when we thought, how can we share our enthusiasm? How can we pass it on? And this is actually the first time that we do a social media event for launch at ESOC. And we're all very excited, I said it, but we're also a bit, you know, we hope that we get this right. If there's anything that, you know, where you think, well, this is not working the way I would like you to tell us, we'll try to help as much as possible. We have about over 900 people working here. 900 people who are devoted to controlling satellite, developing, you know, all the facilities that you need to control a satellite. And then you have people really taking care daily of the satellite. These are the satellite operators, and they represent a very large group. Altogether, over 900 people coming from many countries, not only the 22 member states of ESA, and they come from all over the world, like you. 101 of you are here today, representing 27 countries,
which is much more than the 22 countries of ESA. This is, we are really looking forward to this. Not only because we are really convinced that people should talk to each other, not only because we work to create a united Europe and a united space in Europe, a very important thing for us, but also because the task that our satellites have, all of them, you know, is to make us discover the universe and the world. When you see these beautiful pictures, beautiful images, plus explanations, you start liking geography, but also you love Earth much more. And I hope that even if you already love Earth a lot, after tonight, you will love Earth, and we're trying to protect Earth even more. You know, really, it's we feel very happy and very honored by your interest and by the fact that you've decided to devote time, to devote efforts to understand, you know, what these satellites are for, and to pass on information about them. And thank you very, very much for coming. Ok, alors là on est en train de faire la visite de l'ESOC, on est le groupe A, vous voyez un satellite Sentinel ici. Voilà, je suis désolé de filmer ça à la GoPro, mais j'en chierai trop avec le Canon, donc on passe à la GoPro, c'est mieux. Donc là voici le groupe A, voilà, on fait les visites, ça se divise là actuellement. Alors il y a quelques têtes que je connais, il y a quelques Français, mais il y a vraiment des gens de tous les pays. Merci de me tenir la porte, thanks for the door. On nous emmène tout d'abord dans la salle de contrôle des missions planétaires. C'est ici que l'on envoie des commandes et reçoit des données de différentes sondes interplanétaires européennes. Ils sont également chargés de relayer les données reçues par d'autres sondes et robots, comme par exemple Curiosity de la NASA. Il est difficile de communiquer avec ce genre d'engin. Les commandes doivent être prévues bien à l'avance, la réponse d'une sonde martienne pouvant arriver avec un délai de 40 minutes à cause de la distance lumière. Donc par exemple, on va dire à la sonde qu'à un moment prévu, elle devra faire une correction. Le temps est donc une question difficile quand il s'agit de manœuvrer un satellite à des millions de kilomètres de la Terre, c'est pourquoi les contrôleurs prévoient plusieurs commandes de secours en cas de problème. Mais c'est pas le seul truc compliqué de cette histoire. Pour la cluster mission. We are now in the season of eclipses, that means we go through the shadow of the Earth. Because of the type of orbit that we have, this happens twice per year, so in the spring and in the autumn. The mission was supposed to be for 2 years and with working batteries, and it was fine for the first couple of years. But now we are in our 15th year, 16th year actually, and we have no more batteries. So when we go into the Earth shadow, it's completely off. Like plugging the power cable of a computer, and when it comes out we have to configure it again, like from scratch, we have to upload everything. It's very time consuming, but most of the stuff is now automated, so we just basically follow and observe what's being being sent up, and get some feedback about yeah, if everything goes right. But to send manually one by one the command is, fortunately, we don't do anymore. Donc là, on est en train de se diriger vers un autre endroit, et à chaque fois, c'est surprise, hein. On ne sait pas sur quoi on va tomber, donc on va le savoir dans quelques instants. On nous emmène ensuite dans la salle où on nous présente le réseau européen ESTRAC. This is in Unochia, our launch and tracking facility. You see, it's a rather small thing, it's not very impressive. But actually, it has a reason. If we try to track a launcher or the first layup, we want a small antenna because small antenna have a very wide view angle. So in principle, we want to see a big part of the horizon, and then find the strongest signal. Then we know where we are. We really have to point. And this is especially built for that. Almost everything is fully is automated. Et nous voici dans le département des débris spatiaux. Welcome. So that's the space debris facility. We are here, the space debris office of ESA. We take care of all space debris problem. We have about 6,000 satellites which have been launched till now, from which many remain in space, all the rocket bodies which were used to be launched.
And then there have been already more than 250 fragmentations of these rocket bodies and some spacecraft also, and there have been even collisions, which means that nowadays we have about 30,000 objects above 10 centimeters. Here you can see the 1 meter objects. So red points are the satellites, yellow are rocket bodies, white are fragments. So now it's 10 centimeters. Basically, you see around the Earth, we have the geostationary ring, which are telecom satellites, some weather satellites, which turn around the Earth in 1 day. So they rotate the same speed as the Earth. So that's the geostationary ring. And you have an accumulation of objects there. But where we have the bigger problem is on low Earth orbit. When we have a launch, Sentinel-2 tomorrow, well, this night, we have to do collision avoidance, maybe, if there is a risk. What do we do? We have the orbits of these objects, and we analyze if there is a risk of collision against any of the objects that we are tracking. If there is a risk, we propose to the flight control team to do a maneuver, but we continue analyzing the risk, and depending how it goes, we do or not this maneuver. On arrive alors dans la salle emblématique, la Main Control Room. Alors, je m'excuse d'avance pour la qualité d'image, mais vous imaginez pas à quel point c'est sublime d'être là. C'est la salle de contrôle principale de l'ESOC. C'est là qu'on contrôle les opérations les plus importantes de l'ESOC. C'est ici notamment qu'on a vu se réjouir les contrôleurs de la mission Rosetta Philae, mais aussi ExoMars, Gaïa, Sentinel, etc., etc., etc. On arrive ensuite dans l'Earth Observation Control Room, où on contrôle les satellites d'observation de la Terre de l'ESA, notamment Swarm et Cryosat. So maybe we want to take pictures of the Earth's surface, but you cannot just take a normal camera and shoot it up into space. You need to put a lot of other electronics and a computer and everything around it. And then you have a very hostile environment in space, so you need to take care of that. For example, the temperatures are completely off. The temperatures in space have nothing to do with what we experience here on ground. And that's why we call them different subsystems. So you have one subsystem that takes care of all the power and temperature issues. Then you have another specialist in the team who takes care of the position of the spacecraft to make sure that it's flying where it's supposed to be flying. It just all needs to work together, so that's why we need different specialists all in one team to coordinate their actions. Pour finir, on nous emmène dans l'Astronomy Mission Control Room, la salle où on contrôle les satellites de l'ESA responsables des missions d'astronomie, comme Gaïa ou XMM Newton. Pour tous ces satellites, l'ESOC n'est pas responsable du traitement des images et des données scientifiques, mais uniquement du contrôle des satellites, de leur bon fonctionnement, que ce soit au niveau des instruments ou des sous-systèmes. Après cette visite, c'est le début de l'événement. Le lancement approche. Nous nous rendons dans une très grande salle préparée pour l'occasion, afin de suivre toute la mission avec des intervenants variés. Well, I should be in the camera there at a certain point. Some. EOCS. Specon 1. Specon 2 analyst. Data handling. Data handling go. Power. Power go. Timeline support. Timeline support go. Project rep. Project rep go. Project support. Project support, go. Software coordinator. Software coordinator, go. Software support. Software support, go. OM. OM, go. S-track. S-track, go. Flight dynamics. Flight dynamics, go. Comms. Comms, go. Maintenance. Maintenance, go. Scheduling. Scheduling, go. This is the end of the final Sentinel-2B roll call. All positions are green and ready to support the Sentinel-2B launch. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, unité, top, allumage P80 et décollage. À l'heure prévue, la fusée Vega décolle de Kourou
en portant le satellite Sentinel 2B en orbite. Le lancement est un succès du début à la fin. I have one wonderful announcement to make. The solar array has been deployed successfully. This is the last success of the night. Yes. And keep your hands clapping. Keep your hands clapping, because we really, really, really want to thank the fantastic flight directors and their teams for doing this, both here in Darmstadt and in Crewe. Another round of applause. Sentinel 2B rejoint donc la constellation Sentinel, qui sera complétée aux alentours de 2030.